J'espère que vous allez bien. Je suis une fois de plus contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser à la technique d'éducation spécialisée parce que c'est une technique en fait qui fait partie des domaines qui sont concernés une fois de plus par l'exemption de septembre 2023. Et c'est une technique qui est donc dans le domaine de santé, services sociaux, éducation et aussi le domaine juridique. Donc, pour les personnes qui désiraient faire une technique dans le domaine des services sociaux, vous avez la possibilité de faire une technique en éducation spécialisée. Okay? Là, maintenant, on va vraiment regarder c'est quoi les particularités de cette technique, c'est quoi le salaire moyen d'être technicien en éducation spécialisée et les différentes appellations qui sont reliées à cette profession. Okay? Donc, premièrement, on va juste descendre ici pour voir un peu c'est quoi l'objectif du programme. Okay? Et donc, je me suis basée, faut dire la référence, sur le site d'inforoute fpt.org qui est un site en fait qui va décrire pas mal toutes les différentes formations qu'on fait ici au Québec, tant les formations au niveau collégial que les formations au niveau technique. Okay? Donc ici, l'objectif donc du programme de la technique en éducation spécialisée, c'est que ce programme lui va viser à former des personnes qui sont aptes à exercer la fonction d'éducation ou éducatrice spécialisée. Okay? Donc, les techniciens ou les techniciennes en éducation spécialisée, en fait, interviennent auprès des personnes présentant différents programmes. Okay? Ça peut être la déficience physique, la déficience psychologique, les troubles de conduite, les troubles mentaux ou des troubles qui sont liés à la santé, donc afin de soutenir leur réadaptation. Donc, sachez que les techniciens ou techniciennes en éducation spécialisée peuvent travailler partout, OK, dans plusieurs secteurs. Ils peuvent travailler dans les hôpitaux, ils peuvent travailler dans des centres carcéraux, ils peuvent travailler dans des centres de réadaptation physique, ils peuvent travailler également dans des centres de soins pour personnes âgées, OK? Donc, vous avez la possibilité de travailler pas mal partout et aussi, vous pouvez travailler également au niveau des écoles, des universités, des cégeps, en fait, partout où on rencontre, donc, des clientèles avec ces différents problèmes-là, donc déficience physique ou psychologique, etc., etc. Maintenant, quand on va regarder au niveau de la durée de la formation, en fait, c'est une formation qui a une durée d'environ 2085 heures et avec un total de 2745 heures. Comment est-ce que ces différentes heures-là sont réparties, en fait? C'est que dans ces heures-là, en fait, vous avez plus de 400, okay? 420 heures qui sont données pour la formation générale qui va être commune à plusieurs programmes. Ensuite, vous allez avoir 150 heures de cours spécifiques à la technique d'éducation spécialisée. Et enfin, vous allez avoir 90 heures qui vont être en fait reparties dans des cours complémentaires, okay? Donc des cours qui vont être complémentaires à votre formation. Sachez que donc la durée du programme fait va englober les formations théoriques, les formations au niveau du laboratoire, ça peut inclure aussi des stages et aussi ça va inclure également votre travail personnel. Pour ce qui fait qu'en fait certains d'entre vous peuvent être confus dans le sens où ici, l'heure spécifique, donc c'est 2800 heures et la heure totale, j'ai 2700 heures, c'est parce que ici, c'est vraiment des heures qui sont propres à la formation, donc qui vous est dispensée sur le terrain. Alors que quand on va parler de 1745 heures, ça va englober les heures dont vous avez besoin pour votre formation théorique, votre formation pratique avec les heures de laboratoire à l'école et va s'ajouter en fait à ces 2085 heures-là le temps que l'école prévoit que vous avez besoin pour pouvoir étudier, faire vos travaux seul chez vous à la maison, OK? Donc, c'est un peu pour cela. Ensuite, quand on va aller au niveau du contenu, le contenu est très important, OK? Parce que c'est les compétences, en fait, que vous allez devoir acquérir afin de pouvoir décrocher votre diplôme d'éducateur ou éducateur. Je suis en train... Ouais, éducateur ou éducatrice spécialisée, quoi.
J'étais un peu mêlée. Donc, au niveau des compétences, OK, vous avez plus de, si je compte, il y en a pas mal, hein? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, OK? Vous avez plus de 26 compétences à développer pour pouvoir décrocher donc votre diplôme d'études collégiales en technique d'éducation spécialisée, OK? Donc, c'est ces différentes compétences-là réunies qui va vous demander d'effectuer 2085 heures à l'école, et lorsque vous ajoutez vos heures de travaux personnels chez vous à la maison, ça vous donne environ un total de 2445 heures. OK? Donc là, on est au niveau de la formation. Maintenant, quand on va au niveau des conditions d'admission et les prérequis ou les conditions préalables à la formation, c'est que ça demande à ce que vous satisfaisiez aux conditions générales d'admission qui sont requises au niveau des cégeps. Pour les étudiants étrangers, en fait, pour aller au Cégep, vous avez besoin de votre baccalauréat, OK? Soit baccalauréat technique ou baccalauréat général, OK? Là, vous allez découvrir de nouvelles choses, acquérir des nouvelles compétences. Et donc, vous pouvez postuler aussi, hein, si vous avez des excellentes notes, vous pouvez postuler avec votre BEPC, mais minimum vraiment le bac, OK? Le bac général ou le bac technique, mais essayez quand même d'aller dans un domaine qui ressemble un peu à vos études antérieures, OK? Maintenant, si on va au niveau des organismes, les organismes qui offrent la formation sont nombreux, mais vous savez que pour bénéficier de l'exemption de frais de scolarité, vous choisissez une école qui est premièrement fait partie des établissements d'enseignement désignés. Ensuite de ça, l'établissement doit être situé en région, donc hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Et ensuite de ça, l'école doit dispenser sa formation en français. OK? Ce sont les conditions à respecter. Donc, si on va au niveau des collèges qui vont offrir la formation, en fait, vous avez le 16e de Beauce-Appalaches, il n'est pas n'est pas Montréal. Le cégep de Baie-Comeau, Granby, vous avez Jonquière ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez cégep de Jonquière, le centre d'études collégiales en Charlevoix. Vous avez le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous avez le cégep de l'Outaouais, Gaspésie, La Pocatière, Rimouski, Saint-Jérôme. C'est carrément plusieurs cégeps qui sont en région. Sinon, vous avez aussi d'autres cégeps ici, Sainte-Foy, Saint-Laurent, Sorel, Trécy, cégep de Saint-Félicien, y compris le centre d'études collégiales à Chibougamau, le cégep de Tredfort, Valleyfield, Victoriaville, de Montréal, Marie, Victorin, Montmorency, Régional de l'Onadière à Joliette, etc., etc. OK, donc vous en avez pas mal. Vous avez beaucoup de cégeps, mais on va prendre un cégep juste comme ça pour vous démontrer c'est quoi les différentes conditions supplémentaires pour pouvoir donc postuler dans ce programme-là, où on va seulement découvrir les différentes informations qui sont rendues publiques par rapport à cette formation dans leur école, OK? Donc, on va cliquer ici. Plus d'informations. Et, ah là là, quelle belle surprise! Je suis surprise! Je suis surprise! Attendez. Donc, quand on regarde, OK, la technique d'éducation, OK, spécialisée au niveau du Cégep Beauce-Appalaches, donc Saint-Georges, Québec, région de Chaudière-Appalaches, le code est ici groupe 1. La formation est disponible 2 jours. À la fin de votre technique, donc vous obtenez un diplôme d'études collégiales. Ensuite de ça, vous avez une très belle particularité ici, DEC-BAC. En fait, le passage DEC-BAC, là, vous permet, à la fin de votre technique en éducation spécialisée, de travailler avec le DEC. Mais si vous désirez poursuivre la formation, aller plus loin, sachez qu'avec votre diplôme d'études collégiales en technique d'éducation spécialisée, vous avez la possibilité de continuer votre formation à l'université. C'est ce qu'on appelle le tremplin DEC-BAC, donc DEC-BAC.
vous avez la possibilité de travailler avec votre deck, mais ce programme-là donne la possibilité d'être poursuivi à l'université. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, les coûts de la formation. Les coûts de la formation sont intéressants. Dans quel sens? Regardez un peu. Pour une session, OK? Tu payes 102 dollars. Quand je vous dis que 102 dollars là, ça va être quoi? Les frais, bibliothèque, gym s'il y en a, matériel, et voilà, OK? Association dedans. Ce qui te fait que pour 3 ans, donc 6 sessions, parce que 2 sessions c'est 1 an, 4 sessions 2 ans, 3 sessions c'est, dans 6 sessions, pardon, c'est 3 ans, vous avez juste à débourser 662 dollars. 662 dollars pour 3 ans de formation pour avoir votre technique en éducation spécialisée. Donc, si tu es un étudiant étranger, tu as bénéficié de la bourse d'exemption de septembre 2023. Je ne sais pas quoi dire. OK? Ça, c'est une très belle surprise. Donc, si on regarde, on va aller voir un peu un autre cégep si c'est la même chose. On était organisme. Donc là, on était au niveau de Chaudière-Appalaches. OK? On va aller maintenant au niveau de Baie-Comeau. Baie-Comeau, lui, il n'a pas la possibilité donc de nous donner plus d'informations. On va prendre par exemple le cégep de Jonquière. Au niveau du cégep de Jonquière, donc lui, c'est un programme qui est contingenté, donc à capacité d'accueil limitée. Il se donne à temps plein. Puis lui, il n'a pas mis des informations concernant donc le coût de la formation qui va inclure le matériel. On va aller prendre un autre exemple. On va prendre le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Lui aussi n'a pas rendu l'information, OK? On va prendre un dernier exemple, s'ils veulent bien. Cégep de Rimouski. OK, bon. Eux aussi n'ont pas mis les coûts en termes de formation. C'est un programme qui est contingenté chez eux, donc à capacité d'accueil limitée. Reconnaissance des acquis et des compétences, puis ça se donne à temps plein. Donc, voilà. Au moins, on a eu un exemple qui était donc le premier cégep sur la liste qui était celui de Chaudière-Appalaches. Et ça nous a montré que c'était 662 pour 3 ans de formation. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Là, maintenant, on va aller regarder la partie qui vous intéresse, je le sais. Au niveau de la formation Connect, donc, vous avez également la technique de travail social qui va être un peu dans le domaine donc, des services sociaux. Sinon, le salaire moyen d'un éducateur, éducatrice spécialisée au Québec est de 30,35 dollars. C'est quand même beaucoup, OK? C'est beaucoup, c'est bon, OK? C'est bon. Donc, sinon, les différentes appellations qui sont reliées à cet emploi, vous avez assistant en éducation spécialisée, éducatrice spécialisée, travailleuse de service de garderie, ce sont des appellations, les différentes appellations d'emploi, OK? Donc, voilà. Et vous devez savoir que, ce programme-là fait partie du secteur donc de services sociaux, éducation et juridique. Le nombre d'unités, vous avez 91 avec un 2/3. Ce 2/3-là, je ne sais pas pourquoi, mais sinon, le statut de cette technique-là est en vigueur jusqu'au 31 août 2023. Okay? Il est également offert en français, mais nous, c'est la formation, également en anglais, pardon, mais nous, c'est la formation en français qui nous intéresse. Okay? Donc, voilà. La vidéo est terminée. Je veux mes pouces bleus, mes likes, mes commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo parlant d'une formation ou pourquoi pas d'un programme d'immigration. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye!